Bon les refs, dans cette vidéo on va réagir à la battle de la saison 2 Nouvelle École. Pour la saison 1, les battles elles étaient mémorables, elles étaient vraiment très drôles. J'espère que cette fois-ci pour la saison 2 ce sera encore la même. J'espère qu'on aura des pépites. Du coup pour le react je vais juste mettre les moments les plus drôles, les moments un peu qui m'ont marqué et tout. Parce que je vais pas mettre tout l'épisode parce que j'ai pas envie de me faire flinguer par Netflix, normal. Sur ce dites-moi dans les commentaires sur qui vous misez pour la finale. Et n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner si vous aimez. Du coup, je vous laisse sur la vidéo. Let's go! Pour la première battle, je vais appeler le Dark face de toi, t'auras Yuz Boy. Oh, ça va être chaud ça. Franchement, je me demande ce que Yuz il va faire dans les battles. Parce que lui, ce mec, il est trop chaud. Alors vous? Ne me dis pas qu'elle va faire l'un contre l'autre. Vous la sentez venir ou pas? Elle va lui mettre les uns contre les autres. Mais non! Eh ben non! On s'est fait prank-end. Je vais t'appeler toi Warren. Warren! Attends, donc Warren, il va se battre contre les deux. Ok, en vrai, j'avoue, ça tombe bien parce que Warren, il est un peu. Il y a deux personnes dans sa tête, donc je me dis en vrai c'est équitable. Non, c'est bien, c'est un bon choix. Ça, je l'ai pas senti, moi. Ok, c'est carré. Vous avez quelque chose à vous dire? Je suis le seul à tomber face à deux bougs. Ah. Let's go, c'est la bagarre. Mais mon gars, toi-même t'es deux bougs. Dans ta tête, il y a deux bougs. Toi-même t'es deux bougs, mec. Non mais mon gars, toi-même t'es deux personnes. Ça va aller, t'inquiète. Toi-même t'es deux personnes. Ça va aller, t'inquiète. Aujourd'hui, on compte sur vous pour les coacher. Purée, Charlie est trop joli. Sois bien prêt. Je t'aime. On est là pour ça. Ah merde, j'enregistre. La prod, moi, elle me parlait pas trop. D'accord. Après, du coup, j'ai fait sur Acapella. Acapella, ça peut être bien. Après, il faut être fluide, il faut être clair. Ouais, exactement, faut être fluide. Moi, j'ai remarqué, quand t'as une prod, une belle prod, ça peut appuyer tes paroles, en fait. Ça appuie tes paroles de ouf. Ça fait que les gens, ils accrochent plus. Après, Acapella, si tu donnes bien, tu donnes bien. Acapella. J'ai 28 ans. Et je viens de Bruxelles. Là Bruxelles, où PX représente. C'est ça. C'est énorme. On m'a jamais donné ça, moi, les mecs. Comment ça se fait? Un grand rappeur comme toi, t'as jamais eu 100K? Mais non, arrête ça. Arrête de. Mais non. Genre, t'as pas eu 100 000, toi? Un grand rappeur comme toi? Mais non. Je vais faire la battle, il a dit. Aïe. Sur un des plus nuls. Du non, coup, et de l'assurance, c'est de l'assurance. Je vais réagir. Envoyez ça tranquillement et repose. Écoute la daronne, envoie ça tranquillement, gros. Arca, c'est pas un pote, c'est pas quelqu'un avec qui je me suis lié d'amitié pendant l'aventure. Il a déjà la mentalité de ouais, c'est pas mes potes donc j'en ai rien à foutre. Non, c'est bien, c'est bien. Tu répètes les trucs. Mm-hmm. Là, t'as encore de la punch à donner là. Ouais, faut plus de punch en fait, c'est ça. Tard, il compte péter avec son putain de flow de blédard. Toi, t'as la classe. Il rigole ça son propre freestyle. oui, ça se voit. Franchement, ce mec, il est trop fort, mais ça se voit, il a pas l'habitude d'être sur scène et tout. Lui-même, il a dit. Et du coup, c'est pour ça qu'il rigole et tout, mais. Ah. Donc, tu dois le dire. Là, les gens, ils vont gollerie. Là, les gens, ils vont gollerie. Oh. Si tu fais gollerie, les gens, ça tue. Ah. Pardon. D'ailleurs, avec l'équipe, on se demandait qui porte la culotte entre toi et toi. Ce mec, c'est un psychopathe. Je sais pas, son intonation, je sais pas, on dirait il est 8 dans sa tête. On dirait il est 12. Non, ce mec, il est trop fort. La vérité, moi, si j'étais en face de lui, mais j'aurais peur. Mais j'aurais peur, on dirait le mec, il va me kidnapper, je sais pas, c'était... Wesh. Restez vrais. Ça commence, let's go. Ça commence. Est-ce que tout le monde va bien? Oui. L'alien. Putain, chat. Je vais à la guerre. Pardon, j'arrête. Ah, c'est Arca, voilà. Et bon, pas de cadeau, les gars, pas de cadeau. Ok. C'est quoi cette dégaine? Niska et Shay ont déjà fait la tête. Non, c'est le début, vas-y. Ça fait. Putain. Mais Arca.
On va pas attendre 8 minutes, gros. On va pas attendre 10 minutes. Non, Arka. Ah, le problème, c'est qu'on dirait les jurés, ils sont déjà pas convaincus, mais ouais. C'est le début, vas-y. On t'a déjà dit que tu ressembles à Spock dans Star Trek. Ouf. Ah, okay, personne n'a réagi. Oh putain, personne n'a réagi. Non, mais je pense que personne n'a réagi parce que Star Trek, c'est un peu, c'est pas trop de notre génération, donc on connaît, on n'a pas la ref. Je pense que c'est pour ça, mais ah, ça pique, hein. Putain, okay. Bon, il a essayé, mais ah. Non, franchement, c'est... Ah, bon, on va voir ce que ça donne d'autre. Tu te bagarres avec une meuf, celle qui arrache tes extensions. Non, LP, t'as gagné, je pense. Ok. Ta petite sœur hôtel, rends-lui sa paire de 10 squares, s'il te plaît. Oh, ce soir... C'est pas possible. Et moi, j'ai trop de la peine pour Arka parce que le début c'était pas trop ça. Bon, le milieu aussi c'était pas trop ça, mais là il est en train de se faire terminer. Oh purée. C'est ça qu'on aime. On va la caper là. Pas besoin d'instru pour l'éteindre celui-là. Choix très très risqué. Hein. Très risqué. À deux demi à fondre. DRR t'a mis au fond. C'est pour ça que tu t'es mis à poudre. Honnêtement, je pense que le fait qu'il... Pardon. Je pense que le fait qu'il n'y ait pas de prod, ça va peut-être lui donner des points négatifs. Parce que ce qu'il donne, c'est bien. C'est bien, mais sans prod, c'est un peu fade. On sait qui t'es. Est-ce que t'as vécu t'es la définition de ce qui terrifie? Hein? C'est quoi ça? Non, attends, c'est pas fini, on juge pas, c'est pas fini. R t'a mis au fond. Ok. C'est pour ça que tu t'es mis en poudre. Ok. J'ai l'impression qu'il a essayé un peu de faire une aller dehors, version 2, mais... Ah, ça va. Les gens comme King Kong avec ta tête là, on joue au ping-pong. Bordel. Non, franchement, en vrai de vrai, les deux, c'était carré. Il n'y avait pas, tu sais, ce moment waouh pour les deux, mais c'était carré. En vrai, j'irais égalité pour moi. Et toi, mais les deux, en vrai, franchement, c'était... Ils ont bien fait, mais il n'y avait pas un moment waouh, un moment où tu te dis, oh purée, il a vraiment clashé de ouf. Mais bizarrement, là, vous avez égalisé, en vrai. Exactement, donc, exactement. À... Les gars, on a besoin d'une chose. Toi, Capella, toi sur la prod. Ok. Moi, je l'aurais fait sur la prod directement, mais la prod, en fait... Ah, pas les excuses, non, pas d'excuses. Le Dark aussi, toi aussi. Rap juste. Non, pas les excuses, les boys de... Non, mais en fait, parfois dans la vie, non, rap, c'est tout. Oh, bordel. Dégager les mêmes émotions que j'ai dégagées avec cette arrête, mais arrête ça. Même Shay lui dit arrête ça. Rap, c'est tout. Ah bordel, les excuses. Non, on n'aime pas ça, frère. Non, rap, c'est tout. Moi, je te le fais a cappella sur une autre prod. Sur ce que regarde, tu veux, il fait a cappella. Le Dark, s'il te plaît. Bruxelles. T'es trop lent, je peux pas te passer la balle. J'ai envie de finir parce que là, en vrai, je l'ai abattu. Claire. Zarma, ouais, j'ai pas besoin de finir parce que c'est bon, j'ai gagné. Zarma, ouais, moi, je finis pas, c'est bon, j'ai gagné de toute manière. Le Dark, s'il te plaît, réponds. C'est pas normal d'avoir un coup aussi long, une taille... Ah. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini. Ah, c'est. J'ai essayé. C'est hein, pas grave, volonté, t'as essayé. J'étais venu pour. Tu vois. Éliminé. Moi, je venais avec mon truc. C'était pour gagner avec ce truc-là. Le problème, c'est que. En fait, c'est bien, mais le problème, c'est qu'il faut savoir aussi improviser. C'est ça aussi un peu la nouvelle école.
On va te donner genre des situations un peu nouvelles. Faut savoir improviser, c'est ça la difficulté aussi. Honnêtement, je me demande franchement comment Esso il va donner ses punchlines, parce que je sais qu'il avait dit qu'au début, au départ que habitué à la scène et tout. Franchement, je vais voir. Enfin, je me demande ce que ça va donner. Je comprends grâce aux paroles, mais je sais pas. Qui se bute. Oh, si t'es pas content, négro, banique ta. Je suis dans le thème. Ok, ça c'est cool. Photo, je suis le kid. Il te faudra plus qu'un dans les bras, l'enfoiré. Ça lâche des petits enfoirés, des petits. Ok. Mais le problème, c'est qu'il rappait un peu trop vite. C'est ça ton blague. Tu peux me repull up, s'il te plaît, frérot. Aïe. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Après, c'est un peu un guet-apens, hein, parce que bon, je sais que j'ai dit, ouais, il est deux dans sa tête et tout, mais c'est quand même un guet-apens, en vrai. C'est quand même chaud, hein, pour lui. Chita, pas de prod pour moi. J'ai décidé de le faire a cappella. Oh, mais vous avez quoi? Vous avez quoi avec ça? Mais non. Oh, bon, ok. On se demandait une question avec l'équipe. Qui porte la culotte? Toi ou toi? Mais en vrai, quand je rappe, je ressemble à personne. Attends, j'espère que ça c'est l'intro, attends. Pas le niveau pour faire un battle. J'ai envie de tout casser avec le marteau de Thor, puis retomber faire mes affaires. Ah, c'était l'intro, ok, c'était l'intro. Parce que je me suis dit, si c'était que ça, enfin, si c'était que dans ce tempo-là, dans ce rythme-là, là, c'est pas un battle, là, c'est juste, tu discutes. Ah, Warren. Mais mon gars, Warren. Attends. Je vous présente Warren, okay. A.K.A. Lactis McCurly. Ok. Permis. Il m'a dit trop bien, t'as une capote. Oh putain, je t'avais dit qu'il est con, lui. C'était des capotes ou c'était des ballons? Dites-moi que c'était des ballons. Non mais frère, vous l'avez mis dans un guet-apens, Warren, miskin le pauvre. 100k, je lui donne 5€. Car miskin, il est foncé. Aïe. Zama, c'est un shaitan. Zama, c'est un sorcier. Ça, c'est pas possible. Oh, c'est des bâtards. Non, franchement, bien joué à eux. Merci pour le show, les gars.